Bonjour et bienvenue à Made in Laurentide. Cette semaine, on vous présente la Manufacture. Cette pépinière d'entreprise est un produit de la Corporation de développement économique des Laurentides. Et grâce à ce concept, les nouveaux entrepreneurs ont maintenant accès à une panoplie de services et de conseils qui sont toujours très pratiques quand on se lance en affaires. Bonne émission! Patrick Lorrain est un nouvel entrepreneur. Il a lancé, il y a quelques mois, la microbrasserie La Veillée à Sainte-Agathe-des-Monts. Ce qui était sa passion il y a quelques mois est maintenant son gagne-pain. Au départ, j'étais brasseur amateur à la maison. Une passion peut-être, mais c'était vraiment un hobby que j'aimais vraiment beaucoup. Puis mon métier de base était monteur vidéo. Ça me fonctionnait moins depuis que j'étais à Tremblant. Fait que j'ai décidé de faire le changement pour aller vers le brassage que j'aimais bien et que ça marchait bien aussi. Mais entre l'idée, entre la volonté de le faire et le faire, il y a tout un pas, là. Un très gros pas, oui. La marche est haute, là. Les démarches sont longues. Faire ça tout seul, c'est très compliqué, là. Il y a beaucoup de... Autant pour l'obtention du permis, mais pour partir une entreprise à la base, que ce soit en microbrasserie ou autre, il y a beaucoup d'étapes, puis c'est compliqué, là. Se lancer en affaires peut effectivement sembler être compliqué, mais Patrick Lorrain a pris son courage à deux mains et a fait le saut. Il a accepté de relever le défi et il a démarré son entreprise. Depuis quelques mois, il brasse 5 variétés de bière à la Manufacture de Sainte-Agathe-des-Monts. La Manufacture, c'est des espaces locatifs réservés principalement pour les entreprises en démarrage. Ce projet est soutenu par la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides. La Manufacture, c'est un lieu pour le démarrage d'entreprise et l'expansion. Donc, c'est un lieu où il y a des ateliers adaptés pour les différentes entreprises, donc l'espace de travail industriel. Et aussi, on y retrouve des bureaux qui sont à la disposition des entreprises, des espaces communs et tout ça. Donc, la Manufacture, c'est pour aider le démarrage d'entreprises de transformation sur le territoire des deux MRC. Et quels sont les avantages pour les entrepreneurs de venir s'installer ici à la Manufacture? Bien, premièrement, le concept d'un incubateur industriel, c'est on a un loyer modique. On a un loyer plus bas que le taux normal. Il y a aussi plusieurs services conseils qui se rattachent à ça. Et aussi, on va plus loin que d'aider à la préparation du plan d'affaires. On va à l'installation, la validation, puis l'entrepreneur, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un suivi au cours de sa période de vie d'entreprise pour de professionnels qui viennent pour l'aider à résoudre ses problèmes. Parce que l'entrepreneur, quand il part, il a une bonne idée, et il y a ses équipements de base et tout ça pour faire sa production. Mais souvent, il y a des opportunités qui se présentent, puis c'est là qu'on va l'aider. Bien, c'est sûr que il y a un rabais sur le loyer de base qui est considérable. Mais ce qui a vraiment, je pense, fait pencher la balance aussi, c'est l'installation du local. Parce que en agroalimentaire, les locaux qui sont ici sont prêts à te recevoir. Si tu t'installes ailleurs, tu as un 20 000 d'amélioration locative pour le rendre aux normes de la MAPAC, bien, ici, tu ne l'as pas, c'est déjà fait. Fait que oui, il y a le rabais qui vient avec le loyer qui n'est pas nécessairement immense, mais le 20 000 que tu ne mets pas sur ton installation, parce qu'il ne faut pas que tu mettes tes murs conformes, ton plancher, ton drain, bien, ça paraît. Les conseillers de la Corporation de développement économique ne viendront jamais se mêler des recettes de bière de Patrick. Par contre, ils sauront lui offrir un soutien là où il en a besoin. La Manufacture, c'est un incubateur d'entreprises. En plus d'offrir des locaux abordables pour les nouveaux entrepreneurs, elle leur offre un suivi pour les épauler dans leur démarche et les aider à faire des choix éclairés. La différence d'un incubateur, si on peut la comparer à un gestionnaire immobilier, il y a des condos industriels privés qui existent sur le territoire, des bâtisses et tout ça, les gens ne font que louer l'espace. Donc, et on sait c'est quoi les taux. Et souvent, l'entreprise, quand ils partent, ils n'ont pas les moyens de payer la totalité des coûts d'un espace. Fait que souvent, l'entrepreneur, lui, ce qu'on voit dans la majeure partie de l'expérience qu'on a actuellement, c'est que son espace, il ne sait pas nécessairement. Il sait qu'il a besoin peut-être de 1 000 pieds carrés,
mais peut-être c'est 800 pieds carrés, peut-être c'est 2000 pieds carrés. Fait que ça, c'est ça l'avantage d'un incubateur, c'est qu'on est capable, avec la grandeur, l'espace qu'on y offre, de dire, regarde, on va commencer avec un 800 pieds carrés, puis graduellement, on va t'accompagner, puis on va agrandir l'espace, et tu vas payer, au moment que tu as besoin de cet espace-là supplémentaire, tu vas payer à ce moment-là. Donc, ce que tu ne peux pas faire dans le privé. Vous avez bénéficié de plusieurs services offerts à la manufacture. Qu'est-ce que vous avez reçu comme service, conseil? Bien, pour commencer, avec le CDE, j'ai reçu tout l'accompagnement pour le plan d'affaires. En général, je savais un peu à quoi ça servait, mais à vraiment le faire, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'étapes. Avec le CDE, il y a eu une après-midi de formation. Il explique les étapes, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il faut remplir. Tu as un document référence qui te guide un peu tout le long du processus. Fait que tu pars avec ça, tu le fais, après ça, tu retournes les voir, puis ils vont te le corriger, ils vont te renvoyer faire tes devoirs, ils vont te poser des questions, ils vont te challenger sur des décisions que tu as mises dans ton plan d'affaires, qui te fait comme « pas sûr que c'est ça qu'il faut que tu fasses », ou tu sais, ils vont te challenger un peu, puis jamais ils vont dire que t'es pas correct, mais ils vont dire « Ouais, t'es-tu certain de tes chiffres? T'es-tu certain de ta clientèle? T'es-tu certain de ton... » Fait que c'est vraiment la part qui te fait. Puis au final, t'as un plan d'affaires solide qui passe dans, un peu partout, là. La Corporation de développement économique des Laurentides compte une dizaine de conseillers qui accompagnent les entreprises en démarrage, les assistent dans leur recherche de financement et les aident à concrétiser leurs idées. À quel endroit vous intervenez? En fait, on intervient à l'ensemble du processus des entreprises qui viennent nous voir, davantage en premier lieu de validation du plan d'affaires. On est là pour justement s'assurer que tout ce qui est inscrit dans ces plans d'affaires-là font du sens. En fait, des peaufiner, des ajuster pour faire de la recherche de financement par la suite. Parce que des fois, quand on est entrepreneur, ça peut fonctionner pour nous dans notre tête et sur papier, mais quand on arrive ici avec des experts, on se rend compte qu'il y a des coquilles. Hein? Bien, exactement. En fait, on est là pour justement pallier aux questions que les institutions financières et les autres prêteurs vont pouvoir demander. Donc, par notre expérience, dans ce qu'on fait dans tous les dossiers, c'est de justement documenter, par exemple, que ce soit des lettres d'intention, que ce soit certaines définitions qui vont nous permettre de vraiment rencontrer les chiffres d'affaires et l'ensemble des objectifs de nos clients, en fait. Là. Parce que ça prend un bon plan d'affaires pour avoir du financement. Parce que quand on se lance en affaires, ça prend des sous, là. Exactement. Essentiellement, tout dépendant de quel est l'objectif, en fait. Il y a des plans d'affaires pour justement donner une orientation à nos clients, des gens qui n'ont pas besoin de financement. Il y a d'autres clients qui ont besoin d'un financement quand même assez considérable. Fait que comme on a besoin de financement, il y a plus de questions qui vont sortir de là, des autres institutions financières. Donc, on doit être davantage prêt à pallier aux incertitudes des banquiers, en fait. Le support des conseillers de la Corporation de développement économique donne de l'assurance aux entrepreneurs. Ils ont aidé Patrick à tracer son chemin. Ils ont fait des démarches avec les caisses, banques. Ils ont présenté le dossier avant que j'arrive. Fait que déjà, t'as quelqu'un qui t'endosse dans ton cheminement. Ils m'ont aidé à faire le plan d'affaires. Pour ça, ils présentent le plan d'affaires à la banque, la caisse. Puis après ça, tu vas les voir. Hey, salut, le CDE m'a présenté. Ça va bien. T'sais, c'est pas juste... Salut, tu peux m'aider? Là? Non, t'as quelqu'un qui a fait le chemin un peu avant toi. Fait qu'ils ont aidé pour le financement. Puis après ça, ben là, tout monter le plan de démarrage du moment que tu as ton financement. Puis là, ils t'aident à attacher les ficelles à droite, à gauche. Puis s'il y a un petit truc que tu n'avais pas prévu, ou ils te conseillent sur l'installation et tout ça. Là. Est-ce qu'il y en a plusieurs ficelles à attacher? Oui, il y en a beaucoup. Il y a le financement, mais après ça, tu as tous les achats, tu as toutes les... juste pour gérer les taxes. Quand tu achètes des trucs, tu as des taxes à payer, mais là, après ça, tu peux les revoir. J'ai un exemple. Moi, j'avais fait la demande pour le plan simplifié, mais quand tu fais le plan simplifié des taxes, mais tu n'as pas accès à tous les remboursements de taxes. Mais là, le CDE, ils ont dit « Non, fais pas ça. » Là, tu demandes le changement, mais... pas l'avoir su, pas avoir eu le CDE, ben j'aurais pas eu tout mon remboursement de taxes que j'avais le droit. T'sais. Une fois que l'entreprise part en affaires,
vous êtes toujours là quand même pour les suivre et faire un suivi régulier. Là. Exactement. Toutes les entreprises qui sont dans la manufacture, on offre un coaching, en fait, qui les aide d'un côté financier, d'un côté plus savoir-être pour les aider un peu dans le développement de leur entreprise. Moi, ma force, c'est davantage la finance et d'autres membres de notre équipe vont chercher plus de marketing et d'autres sphères qu'on pourra aider l'entreprise. Donc, on les suit mensuellement en se donnant des objectifs, en travaillant ensemble là, sur le futur de l'entreprise directement. Là. On va aussi, par rapport au système de l'incubation, on va dans l'équipement technique aussi. On va dans son espace de travail. Ce qu'on ne va pas souvent, c'est ce qu'on appelle, on regarde son espace. Combien d'espace as-tu besoin pour produire tel ou tel produit? Donc, on encadre aussi, ce qu'on offre aussi de plus, c'est tous les services de professionnels qui tournent, qui viennent l'encadrer pour qu'ils prennent mieux sa décision. Pour mettre sur pied votre local, vous avez également eu les services d'un architecte? Oui. Dans le cadre du permis de la régie des alcools, pour avoir le permis de brasseur, ça prenait un plan d'architecte, d'ingénieur pour l'installation. Avec la manufacture, j'ai été conseillé pour l'architecte. Puis ils m'ont fait un plan, puis ça a super bien été. Puis c'est dans le cadre de la manufacture encore un service offert. Là. En plus d'être épaulés par les conseillers de la CDE des Laurentides, les entrepreneurs qui s'installent à la manufacture ont également droit de rencontrer gratuitement des experts conseils qui œuvrent dans différents secteurs professionnels. Et là, les entrepreneurs, eux autres, qui ont accès maintenant, c'est des services professionnels. Souvent, c'est pas grand-chose. On a une entreprise qui avait besoin d'un expert en web. Et on l'a. On va te le faire rencontrer. Fait que comment on fonctionne, c'est que les experts qui tournent autour de la manufacture nous donnent une banque d'heures. En fait, c'est pour aider l'entrepreneur. Ils viennent vraiment pour aider l'entrepreneur pour coacher, mais ils ne font pas de la consultation. Ils viennent l'aider professionnellement parce qu'ils connaissent les secteurs et tout ça. Donc, c'est très généreux de leur part. Là. Énormément. Et ça, c'est un concept qu'on donne au suivant, dans le fond, qu'on met de plus mécanique. Mais avant d'approcher les professionnels, il faut que ton dossier soit structuré. Je n'appellerai pas un spécialiste en communication qui tourne autour de la manufacture pour dire « viens nous le rencontrer, jaser avec lui ». Non, non, il faut qu'il y ait un projet, il y a une liste, on sait pourquoi il y a besoin, il y a une faiblesse dans tel ou tel secteur dans le domaine des communications. Fait que là, on vient intervenir. Fait que oui, c'est un cadeau. Et c'est assez unique aussi au Québec, et parce que les entrepreneurs, c'est ça. Les entrepreneurs hésitent de demander à un professionnel de l'information, parce qu'il y a un coût attaché à ça souvent, hein, ce qui est énorme. Patrick a d'ailleurs reçu une formation de quelques heures en comptabilité. J'ai eu des heures avec Amia Gelina pour l'apprentissage du logiciel QuickBooks, c'est un logiciel comptable qui m'aide à gérer mes factures, mes ventes, mes comptes de banque, un peu toute ma comptabilité passe par là. Je l'ai appris un peu sur le tas, mais au final, il y a des détails comptables que je connais pas. Puis je me suis assis avec eux autres 5-6 heures, puis ils m'ont vraiment montré comment faire la tenue de livre, tout ça, que pour pas avoir de problème dans le futur. Parce que oui, tu peux le faire un peu tout croche là, mais ça fonctionne. Mais quand tu arrives à la fin de l'année pour faire tes impôts ou faire des affaires, il y a des petits détails que tu n'as pas faits, puis là, ça coince. C'est bien de l'avoir eu avant qu'après. Si la manufacture ne vous avait pas fourni une banque d'heures pour aller chercher ces spécialistes-là pour partir votre comptabilité, est-ce que vous l'auriez payé, vous, d'emblée? Non, ça n'aurait pas été mon premier réflexe. Je pense que j'ai essayé d'avoir... Ben, un peu comme tout le monde, aller sur Internet, aller chercher des trucs, des affaires. Ouais, OK, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. Mais les petites technicalités pointues qu'un comptable peut apporter, je les aurais pas eues. Ces experts conseils pataugent dans le domaine des communications, des ressources humaines, en comptabilité, en éducation, en recherche et développement, en finance, en commerce international et même en droit. Le bureau d'avocat Bertrand Morissette et Associés a accepté de s'impliquer dans le projet pour soutenir les nouveaux entrepreneurs de la région. Maître Prescott, de quelle façon le bureau Bertrand Morissette et Associés est impliqué dans la manufacture? Oui, bon, on est impliqué dans un premier temps comme partenaire financier, c'est-à-dire que lorsque Paul Calcé nous a approchés avec le projet, il cherchait un des partenaires financiers, mais également des gens qui étaient pour s'impliquer, pour aider, pour donner du soutien, des services conseils.
à des jeunes entrepreneurs ou des entreprises qui ont voulu implanter de la manufacture. Alors, dans un premier temps, effectivement, nous sommes partenaires financiers, c'est-à-dire on injecte, on aide à la viabilité de l'entreprise. Et ensuite, on est partenaire pour ce qui est des services conseils qui sont pas donnés, mais qui font partie des services offerts aux gens qui sont à la manufacture. Donc, vous donnez une banque d'heures aux jeunes entrepreneurs. Là, si jamais il y a des entrepreneurs de la manufacture qui ont besoin d'un conseil, ils peuvent vous consulter. Effectivement. Et là, quand on parle de conseil, on peut parler de conseil juridique, mais également, des fois, c'est simplement au niveau de choses de gestion ou d'organisation d'entreprise, à savoir de quelle façon mieux s'équiper, mieux, au niveau contractuel, de vérifier au niveau des contrats avec les fournisseurs, avec des clients, comment est-ce que les gens pourraient être plus efficaces avec leur façon de procéder. Parce que quand on est un jeune entrepreneur, la première chose qu'on pense d'habitude, c'est plus sur le mode de fonctionnement de notre entreprise. On ne pense pas a priori avoir besoin de services juridiques à un moment donné. Oui, bien effectivement, au niveau de l'entreprise, c'est certain que les gens, des fois, ne font pas vraiment la distinction. Ils disent « service juridique », vont avoir un réflexe de penser « lorsque j'ai des problèmes, lorsque j'ai un litige ». Alors que, dans le fond, au niveau du service à faire, ce qu'on offre aux gens, c'est plutôt de les aider à se structurer, de mieux contrôler même des fois leurs dépenses avec les comptables, parce qu'on peut mieux organiser tout le corporatif et les relations avec clients et fournisseurs. Et ça, c'est du temps, puis les jeunes entrepreneurs, bien, ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés dans leur entreprise. La Société d'aide au développement des collectivités des Laurentides, la SADC, est étroitement impliquée dans le projet de la manufacture. Elle joue un rôle similaire à la CDE, mais du côté du territoire de la MRC des Pays d'en haut. On s'implique, après ma barre, au niveau des demandes d'admission, par exemple, sur le territoire des Pays d'en haut, lorsqu'une entreprise veut faire une demande auprès de la manufacture pour s'intégrer là-bas. C'est nous autres qui allons recevoir le dossier. Alors, on va faire l'étude du dossier, l'étude financière. Pareil comme s'ils demandaient une demande de financement. Et de là, on va proposer, puis on va même accompagner l'entrepreneur à la manufacture pour présenter sa demande. Et vous aidez ces entrepreneurs-là de quelle façon? De plusieurs façons. Encore là, dans le même cadre d'une demande de financement, mais là, on y accorde encore un petit peu plus d'importance. C'est que l'entrepreneur qui va faire une demande, là, on va s'assurer que son plan d'affaires se tient bien ou que son entreprise est en bonne position pour faire les prochaines années. Alors, on va vraiment le supporter là, à tous les niveaux, dans toutes les sphères de son activité. Alors, autant au niveau de ses prévisions financières qu'au niveau de sa structure opérationnelle, on va s'assurer que son marché a été bien pensé, bien réfléchi. Alors, on va l'accompagner à tous les niveaux. Quel genre de conseils ou erreurs qu'on peut éviter quand on est un jeune entrepreneur qu'on se lance en affaires? Bien, en fait, ça vient avec la relation de confiance. L'erreur numéro un, c'est de penser que, au niveau du droit, là, si je parle au niveau comme juriste, c'est de penser que, parce que j'ai des bonnes ententes, je m'entends bien, c'est quelqu'un à qui je peux avoir confiance, etc., bien, on met de côté tout ce qui s'appelle les contrats. C'est-à-dire, on s'entend, on a une poignée de main, ça va bien, mais des fois arrivent des problèmes, soit avec un fournisseur, des délais respectés, et là, lorsqu'on n'a pas couché ça par écrit, ça peut causer des frictions, mais également des problèmes financiers importants. On voit qu'il y a plusieurs experts qui vous ont donné un coup de main pour démarrer votre entreprise. Si vous ne vous étiez pas installé à la manufacture, est-ce que vous pensez que votre entreprise serait où elle est aujourd'hui? Je pense pas. Je pense que elle serait peut-être là, mais avec un plus grand déficit. Parce que oui, c'est du temps, mais c'est des heures, c'est de l'argent aussi que la manufacture investit dans les gens. Ils veulent que tu partes, ils veulent que tu réussisses. Souvent, quand on est entrepreneur, un jeune entrepreneur, nos sous, on les calcule, hein? Absolument. Les premiers dossiers qu'on a, on rencontre les prospects qui vont rentrer à la manufacture, bien, tout leur argent est fait pour l'équipement, le financement, tout ça. Souvent, la partie honoraire professionnel, coaching, n'est pas là. Parce qu'ils disent, bon, on va commencer, puis on verra au fur et à mesure. Mais le fur et à mesure peut être correct dans certains secteurs, mais peut coûter très cher aussi parce que tu as pris des décisions au niveau technique qu'il faut que tu recommences tout parce que ton équipement ne répond pas aux besoins maintenant.
dit que la manufacture, c'est une pépinière d'entreprise, un incubateur, mais également un accélérateur. Pourquoi est-ce que l'entreprise a plus de chances de croître rapidement en étant ici? Bien, moi, je dirais qu'en étant ici, ça te permet de grandir puis de vivre ton entreprise de façon plus éclairée. Parce que il y a, dans la vie d'une entreprise, les 5 premières années sont cruciales. Donc, on donne cette chance-là à une entreprise par l'incubateur d'avoir un coaching, quelqu'un qui va l'écouter, qui va travailler avec. C'est pas de la consultation, on fait tes devoirs. On le voit, nos entreprises qui viennent ici, le jeune vient s'asseoir devant un consultant expert, puis il faut qu'il fasse ses devoirs carrément. Et ça, ça lui donne un gain pour éventuellement grandir puis rester en affaires. Puis ça rassure le milieu financier, ça rassure les bailleurs de fonds gouvernementaux aussi, parce qu'ils se disent, bien, s'il y a du coaching, ça risque de réussir. Tous les entrepreneurs qui s'installent à la manufacture sont jumelés avec un entrepreneur expérimenté. Ce dernier est là pour écouter, conseiller et éclairer le plus jeune. C'est ce qu'on appelle le mentorat d'affaires. Quand vous parlez d'accompagnement, il y a également du mentorat d'affaires. Oui. Vous jouez un rôle clé dans ce volet-là. Tout à fait. Puis d'ailleurs, à l'intérieur de notre mandat pour la manufacture, le mentorat va être offert systématiquement à tout entrepreneur. Donc, automatiquement, on va le rencontrer, on va lui proposer un service de mentorat d'affaires, donc de le jumeler à une diade ou de le jumeler dans un groupe de mentorat de groupe. T'sais, alors, de faire partie à un service qui est lié au mentorat d'affaires. Donc, sachant que le mentorat vient augmenter les chances de réussite de beaucoup. Hein. Il passe de 37 % à 73 % les chances de réussite de passer le cap du 5 ans. Donc, ça a beaucoup d'impact dans la vie d'un entrepreneur, le mentorat. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi exactement le mentorat d'affaires? Et le mentorat d'affaires, c'est de jumeler un jeune entrepreneur qui a moins d'expérience à la gestion d'une entreprise, de le jumeler à un entrepreneur expérimenté qui a plusieurs années d'expérience, donc qui a su apporter des réflexions à son entreprise. On veut dire à l'entrepreneur le savoir-être, on va lui apporter le savoir-être et non pas le savoir-faire. Là, ce sera plutôt un consultant qui pourra intervenir, mais vraiment le savoir-être. Donc, le savoir-être dans une entreprise, c'est extrêmement important. Ça permet d'évaluer chaque facette, de prendre le temps de réfléchir. C'est ce que l'entrepreneur expérimenté va amener à l'entrepreneur qui est plus jeune. Donc, c'est un peu la psychologie de l'entrepreneuriat. Les nouveaux entrepreneurs qui s'installent à la manufacture ne peuvent pas y demeurer ad vitam aeternam. Les incubés doivent apprendre le métier d'entrepreneur pour pouvoir un jour voler de leurs propres ailes. La moyenne, c'est exactement c'est 5 ans. Mais on sait qu'il y a des secteurs d'activité comme le technologique, entre autres. Le technologique, en moyenne, dure un an parce qu'ils sont en développement de produits et il y a un marché d'investisseurs qui cherchent les opportunités parce que c'est très, très lucratif et tout ça. Donc, on sait qu'eux autres vont grandir rapidement ou vont se faire acheter ou ils vont vendre leur concept de développement. Dans l'agroalimentaire, c'est plus long un petit peu, c'est entre 5 et 7 ans. C'est souvent basé sur l'investissement de base, parce qu'il y a des secteurs d'activité où ce que l'entrepreneur doit investir beaucoup d'argent dans ses équipements s'ils sont technologiques, et c'est onéreux. Donc, il y a des types de secteurs. Ça peut varier de 1 an jusqu'à 5 ans. On a une tolérance de 7 ans, mais notre objectif, c'est pas de le materner. Dans le fond, j'utilise ce mot-là trop longtemps parce qu'on le ramène graduellement. Et son loyer est adapté au fur et à mesure que ça avance dans la vie, dans la manufacture, il revient au prix du marché. Fait que quand il va sortir d'ici, il va être capable de dire dans ses états financiers, je suis capable de supporter X dépenses parce que je l'ai vécu directement. On sait que toutes les entreprises qui sont ici, ce sont des entreprises en démarrage. Au bout de 3 à 5 ans, vous devez quitter et voler de vos propres ailes. Oui. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Non, parce qu'au jour le jour, puis tout le temps, on est accompagné. Fait que la manufacture te prépare à ça. Ils font pas juste te partir, puis tu t'arranges d'un côté, puis dans 5 ans, tu mets dehors. Non, c'est un peu... Déjà là, on a des rencontres mensuelles avec quelqu'un du CDE,
même un coach qui dit, OK, dans 3 ans, tu vas être rendu où? T'sais, il prépare déjà à plus tard, à dire, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas partir? Attends, je viens de commencer, ça fait 1 mois que je produis, puis tu es déjà en train de me parler. Mais en même temps, c'est ça. Il faut que tu prévois d'avance pour ne pas arriver dans 5 ans et dire, OK, il faut que je me tourne de bord, puis je suis pas prête. Il prépare tout de suite à tantôt. Pourquoi vous avez démarré la manufacture, l'incubateur d'entreprise ici dans la MRC des Laurentides? Est-ce qu'il y avait une demande particulière? Oui, oui, il y en avait une demande. Avec l'expérience qu'on a à la corporation, au cours des années, on s'apercevait que, bon, l'étape 1, c'est relié à la planification stratégique de la MRC, de diversifier l'économie. Parce qu'on est concentré beaucoup dans l'industrie touristique, on est une force au niveau du Québec et tout ça, avec l'effet Tremblant. Le secteur du commercial est très fort, mais on s'apercevait que dans la diversification de l'emploi, on perdait des belles opportunités. Donc, l'historique industriel n'était pas là il y a 10 ans, ici, sur le territoire. Graduellement, avec les maires et les intervenants, on a dit, là, faudrait commencer à développer, rentrer dans ces secteurs-là pour attirer un autre type d'entreprise qui va créer de l'emploi. Donc, l'incubateur, c'est la base. Après ça, c'est le développement des parcs d'affaires, puis tout va se faire en conséquence et tout ça. La manufacture peut accueillir 18 entreprises. Elle dispose de différents locaux, dont certains rencontrent les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ce qui donne la possibilité de procéder à la transformation alimentaire. Différentes grandeurs sont disponibles, ce qui permet à des jeunes comme Patrick de réaliser leurs rêves et de devenir entrepreneurs. Comment vous vous sentez quand vous voyez, vous allez faire votre épicerie, vous voyez les bières de la microbrasserie la veillée? Bien, c'est un peu fou là, de voir que le travail de 1 an et demi, puis il s'est rendu là, puis non seulement qu'ils sont sur des tablettes, mais qu'il en manque, parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté. C'est encore plus le fun de voir vraiment que, OK, ça peut fonctionner. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que cette émission vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions sur cette émission, écrivez-moi à joliane.côté@cogeco.com. À la semaine prochaine, tout le monde! TV, fier de faire rayonner notre communauté.